Toutes et à tous, je reviens pour une vidéo qui n'était pas prévue normalement aujourd'hui. Premièrement, désolée pour ma tête, mais la semaine là, ça commence à devenir compliqué avec le boulot. Je me lève à 4h30 du matin et je commence à 6h, donc voilà. Je suis mais morte de chez morte. Ça se voit avec mes cernes, j'en n'en peux plus. Vivement samedi midi. Désolée pour mes ongles, hein, mais je m'en fous. Ouais, c'est pas. La vidéo, ce sera pas sur mes ongles, ça c'est sûr et certain. Je vais remercier une personne. Oui, tout d'abord pour la tenue, je suis en tenue décontractée. Oui, bien sûr, parce que j'ai dormi cet après-midi, donc voilà. Je vais remercier une personne, une fille surtout, qui s'appelle Marion. Je pense qu'il y en a qui la connaissent parce qu'il y a plein d'abonnés, enfin, il y a quelques abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne maintenant, grâce à elle. Et je la remercie du fond du cœur d'avoir fait cette petite pub pour ma chaîne. Ça m'a énormément touchée. Et je te l'ai dit en commentaire. Et je te l'ai redit dans ton dernier live. Voilà. Je sais pas quoi dire. En tout cas, merci Marion pour te remercier de ça. Dans ton colis que j'ai déjà commencé à préparer, que je vais t'envoyer pas à la fin du mois, mais plutôt début février. Début, milieu février, je t'avais dit début, enfin fin janvier, début février, mais du coup, ce sera plutôt début février, milieu février. J'espère que tu m'en veux pas. Parce que du coup, j'aimerais rajouter des trucs, des choses, de loisirs créatifs pour toi que j'ai chez moi, mais que du coup, je me sers pas. Pas spécialement, que je voudrais te les donner, de te les offrir. J'ai aussi intégré dans ce colis une petite surprise, mais tu verras quand tu l'ouvriras. Je pense que ça va te faire plaisir. En tout cas, je te remercie, puis je remercie tes abonnés de s'être abonnés à ma chaîne. Je ne force personne, personne à s'abonner à ma chaîne. Voilà. C'est vous qui décidez si vous vous abonnez à ma chaîne ou pas. On est dans un pays libre, donc c'est vous qui choisissez. Aujourd'hui, bon, désolé pour ma tête, hein. Aujourd'hui, donc les remerciements pour Marion et pour vous, ces abonnés qui sont maintenant abonnés à ma chaîne. Et je vais vous présenter ma page Facebook. Donc ma page Facebook de création et vente de bijoux. Alors, je sens les commentaires venir. Je ne copie pas Marion Beauté 4, Marion Beauté 24, je crois que c'est ça, sa chaîne. Je ne la copie surtout pas. Cette idée de page de création et de vente de bijoux m'est venue. Il y a bien longtemps, il y a un moment déjà, que je voulais faire une page de création de vente de bijoux. Et qu'en fait, du coup, bah,
Je me suis lancée il y a particulièrement des amis proches et ma famille qui se sont abonnés à cette chaîne. À cette chaîne. À cette page. Vivement que j'aille me coucher. Alors, cette page, vous retrouverez donc c'est. Là, je l'afficherai en bas ou en barre d'information. Là, juste en, ici, au niveau de la vidéo ou en bas d'information. Cette page s'appelle Jewerly. Donc, Jewerly. Et, donc, comme... de toute façon, je vous marquerai. Et création 85. Pourquoi j'ai créé cette page Facebook? Parce que j'ai créé cette page parce que je faisais des créations, je les ai vendues sans avoir de page. Voilà, je les ai vendues à des amis et à ma belle-mère qui du coup m'ont dit tu fais des très jolies créations, faudrait que c'est simple, c'est chic d'un côté. Tu fais des boucles d'oreilles, tu fais... Voilà. Pour une seule cliente, j'ai vendu pour 20 euros de création. Voilà. 20 euros pour la première cliente, pour moi, c'est déjà pas mal. C'est déjà très très bien. Ça veut dire qu'il y en a 20, 2 euros en tout, en fait, parce que lui qui avait deux amis qui sont venus ici. J'en ai eu pour 22,50 €. Donc voilà, une vingtaine d'euros. Donc, j'ai vendu une paire de boucles d'oreilles. J'ai vendu. Je sais plus quoi, ce que j'ai vendu. Je sais plus. J'ai vendu pas mal de choses. Et sur cette page, donc, vous retrouverez des boucles d'oreilles comme ce type. Je vais vous en montrer. C'est un peu galère à vous montrer. Voilà. Donc, avec un embout en plastique. C'est un caoutchouc. Silicone ou... Ouais, si. Là, ici, pour la tâche de derrière. Monté sur une... Ah, je sais plus. Un support américain. Voilà. Avec. Donc. Des perles bleues. Et je ne sais pas si vous voyez. Mais. Vous avez une sorte. De support. Donc ça s'appelle une calotte. Donc voilà. C'est un peu... Celles-ci, je les adore. Ça, ce sont les miennes, hein, par contre. J'en ai fait d'autres de cette couleur-là, mais celles-ci, ce sont les miennes. Ensuite, vous retrouverez... Donc dans cette collection, j'en ai quelques-unes. Donc hop. Voici la rose avec des calottes. Elles sont toutes la même boucle d'oreille. J'ai celle-ci en jaune. Voilà, sans calotte par contre. J'en ai d'autres aussi, mais je sais pas où est-ce que je les ai foutues. Ensuite, vous retrouverez des sortes de porte-clés. Si je peux appeler comme ça, ou des bijoux de planeur. Voilà. Donc, voici. Donc, ça, c'est mon premier modèle que j'ai fait. Ensuite. Ah, une autre paire de boucles d'oreilles. Que j'avais oublié de montrer. Sans calotte, bien sûr. Donc, c'est monté aussi sur une chaîne d'extension. Hein. Voilà.
Ensuite, vous retrouverez des bracelets. Donc, des bracelets comme celui-ci. Donc là, il ressort rouge. Les deux perles là ressortent rouge. Mais c'est un peu rose fuchsia avec une perle de rose, rose pâle. Et vous avez celui-ci. Donc là, ça ressort tout blanc, mais en réalité, celle du milieu, elle est un peu jaune, très 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 pâle, avec deux petites perles blanches sur les côtés. Ensuite, vous retrouverez des colliers. Alors là, je ne les ai pas ici, les autres, il faudrait que j'aille les chercher. Vous retrouverez un collier avec un nœud gris, voilà, monté sur une chaîne argentée avec des mailles très très fines. Voici. Ensuite, vous retrouvez, alors j'ai fait toute une collection de straps. Les straps, ce sont des accessoires pour porte-monnaie, pour attacher aux fermetures éclair des porte-monnaie, des sacs, des pochettes, voilà. Donc un strap comme ceci, en rouge. Voici, avec des calottes, bien sûr. Et avec une breloque, putain, on voit pas, love. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc une en vert très clair. On était sur le même principe. Un strap jaune en dégradé. Toujours avec une breloque love. En blanc. Toujours avec une breloque love. En dégradé de noir. En dégradé de violet. En dégradé de rose et en dégradé de bleu. Voilà. Ensuite, vous retrouverez des plugs. Non. Pas dans ce sens-là, mais plug anti-poussière pour prise jack au niveau des téléphones. Oui. C'était la mode il y a, il y a quelques années de ça, même plus que ça, où tout le monde avait à son portable des bijoux de téléphone, quoi. Au niveau où on met les écouteurs. Donc ça s'appelle des anti-poussières, voilà. Donc vous retrouverez. Donc j'en ai plusieurs. J'en ai des noirs, des transparents et des blancs. Bon, sur un. Ah, vous verrez pas trop si. Donc un plug transparent, vous retrouverez ce petit nœud rose avec des pois blancs. Celui-ci aussi. Orange avec des pois blancs. Et sur un plug blanc, vous retrouverez un petit nœud rose pâle avec des pois blancs. On ne voit pas trop la caméra. Ensuite, sur un anti-poussière noir, un flocon. Voici, lui, il est trop beau, il est simple. Voilà, et j'adore. C'est un de mes préférés.
Ensuite, dans une collection un peu plus colorée avec une breloque papillon. Alors, sur un plug noir, breloque papillon qui est, si je la retourne, comme ceci, avec un dégradé de marron. Ensuite, un de mes préférés, c'est celui-ci. Vous ne verrez pas, bien sûr, avec une perle violette, rose et jaune montée sur un plug transparent. Ensuite, aussi un de mes préférés que j'adore, breloque papillon qui est magnifique. Avec des perles bleues, dorées et au rose fuchsia. Montée sur un plug blanc. Et je pense que j'ai une petite pensée et je pense que c'est celui-ci que je vais offrir à Marion de Beauté. 24. J'en ai fait d'autres. Voilà, une licorne. Avec du rose et du blanc. Donc je fais un rappel de couleur, bien sûr, de la licorne montée sur un plug blanc, bien sûr. Voici donc pour ma petite mon ensemble de créations que j'ai pour le moment, que j'ai en stock, bien sûr. Voici, donc voilà, je sais lequel je vais offrir à Marion Beauté 24. Donc voilà, ta surprise, c'était ce petit plug, ce petit attache anti-poussière pour téléphone en prise jack. Voilà. Bah, ça sera tout pour cette vidéo. En tout cas, je te remercie du fond du cœur énormément bah, en fait, d'avoir fait cette pub. Hein. Et voilà. Donc du coup, je vous remettrai le lien de ma page Facebook, donc Jewelry et Création 85. Donc Jewelry en anglais, traduction en français, ça veut dire bijoux. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous remercie tous de vous être abonnés à ma chaîne. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!